Et c'est ça qui va être super intéressant, parce que par exemple, bah par exemple, tu vois, lui là-bas, là. Yo les goats, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous êtes au courant, mais l'arbalète a reçu un énorme buff le 1er octobre. Si vous allez sur le site d'Activision, sur les dernières mises à jour, vous voyez, le 1er octobre, on est là. Voilà, ça dure littéralement 3 lignes, leur truc. Mais bon, l'arbalète est ici. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les goats? Ils ont augmenté la vélocité des carreaux de 110 à 200. Donc presque le double. Et ils ont réduit le RNG des carreaux de 70%. Ceux qui ont joué arbalète vont comprendre ce que je dis quand je dis RNG. C'est parce que tu visais sur un point et ça allait autour de ce point, ok? Cette oscillation, on va dire, est réduite de 70%. C'est énorme. Du coup, l'arbalète est pratiquement 100% précise maintenant. Et ça la rend complètement folle. Je monte mes accessoires dans un instant. Je vous mets trois plaques, un petit pantin là-bas. Boum, dans la tête. Il meurt à ce temps. C'est fort, en vrai. C'est fort. C'est pas méta. Ok, ça va pas remplacer un car 98. Impossible. Mais pour une arbalète, ça y est, elle est jouable. On a enfin une arbalète jouable après 2 heures d'attente. Sans compter les balles explosives, hein, évidemment. Là, c'est un build exprès. Pas de balles explosives, comme ça, c'est super rapide. Et une tête, c'est un one shot. Voilà. Je monte ma classe, donc il n'y a pas de carreaux explosifs. Si vous voulez mettre vraiment les carreaux explosifs, vous pouvez remplacer la lunette. Mais les carreaux réduisent beaucoup, beaucoup, beaucoup la vélocité. Tu vois, moins 15% de la portée. Je sais pas si c'est trop worth maintenant avec ce buff. Autant jouer l'arbalète comme elle est supposée être jouée, c'est-à-dire mettre des têtes avec une rapidité des carreaux comme on n'a jamais eu avant, et c'est vraiment stylé. Pendant la saison 6, l'arbalète va confortablement s'installer dans la section B. Dans la S, là, il n'y a pas écrit un désolé, c'est encore un vieux truc là. Dans la section S, c'est la détire, ok, avec le car par exemple, et la statique. Dans la section A, t'as la MCW, la super et tout ça. On va mettre l'arbalète juste là, en vrai, c'est pas mal du tout, c'est pas nul. Avant la saison 6, c'était facilement là, même peut-être ici. Vraiment, vraiment très dur à jouer, presque inutile. Mais maintenant, on la met là, dans la B. Elle est jouable. Si les gens l'aiment bien, ils peuvent jouer avec. Si t'es bon avec, tu vas mettre des belles têtes. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas... Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. L'arbalète est vraiment sympa à jouer maintenant. Voilà les goats, maintenant, je vais vous montrer évidemment du gameplay avec. Vous allez kiffer, je vous le garantis. Bon visionnage, on se voit demain pour la prochaine vidéo. Ciao. Bon, je crois que je vais acheter mes armes, hein, parce que il y a un peu trop de gens là. Ouais, bah je viens de débloquer Mani l'opératrice, je crois d'ailleurs, si jamais on veut la mettre prochaine game, mais... Oh, j'ai déjà un bon feeling. C'est rare, j'ai un bon feeling dès le début. C'est rare. Oh baby. Ennemi dans la zone d'opération. Attention, le fusil de la zone. Un largage tactique. Mais oui, depuis tout le temps ça. Mais ça va shot que dans la tête, hein. Attention, hein. C'est pas le one shot classique explosif là. Mais le truc, c'est que la vélocité, le buff qu'elle a eu la semaine dernière, là, c'est passé inaperçu, mais moi, je l'ai vu. J'avais oublié. Donc, c'est pour ça que Dama, je l'aime tellement, j'avais complètement zappé. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était jamais précis à fond, c'était du hasard, quoi. Mais maintenant, c'est plus, il n'y a plus ce hasard. Et enfin, il y en a beaucoup moins. Et c'est ça qui va être super intéressant. Parce que, par exemple... Bah par exemple, tu vois, lui là-bas, là. Je peux pas faire meilleur exemple que ça. Ah. Ah, il peut pas faire mieux.
Beaucoup plus. C'est français ça, beaucoup plus. Le mieux, mieux beaucoup. Wesh! La proba de zinzin quoi. Dommage. Il comprend pas. Il comprend pas. C'est vrai que sur sa POV, à lui, il entend quoi? Il entend. Il comprend. Normal, en fait. C'est pas du tout ce qui se passe, gros. En même temps, personne se fait tirer par une arbalète sur Warzone, du coup. Une arbalète non explosive. En plus. Ça n'existe plus. Ça va re-exister maintenant. Je vais inventer la nouvelle méta là. Y'a pas. Non, ça c'est pas cool. Vraiment nul hein. On met deux frappes de précis. Ouais, bien sûr, Manny. Le gaz se rapproche, il y a une nouvelle zone de sécurité.
Jeez baby. L'arbalète. Destination marquée. Mais ignorez ça. Je peux viser. Pas bien là ? Oh ouais, c'est pas mal. Mais lance la grenade! Sécurité identifiée. Mais Warzone! Mais qu'est-ce que t'as? Mais. Oh mon dieu, c'était buggé! Je vais exploser. Morse, il est au Morse. Morse contre arbalète. Du coup, on dit de la balle de fou, le carreau de fou. Quel bâtard qui snipe depuis. Station de ravitaillement ennemi en approche. On avance. Nouvelle zone de sécurité. Allô? Il y a du contrat avec de grosses récompenses. Honorez-les en priorité. Thank you.
Incroyable, il y a encore l'arbalète, le carreau coincé. Je sais pas si vous avez vu. Trop bien. Ok. En vrai, le gibier là. Emmerdé par un gars qui est à l'autre bout de la map. À la détient. Sympa. Nous avons repéré une cible prioritaire. Son élimination rapporte gros. Ce contrat vaut plus que d'habitude. Alors on s'y met, soldats. Yo, Broobs! Oh, le stress de se prendre une balle de morse dans la gueule ou la des tirs laser. Jamais ça va arriver. Faites partie des 10 derniers. Toutes les cibles mises à prix ont été abattues. Bien joué. Le gaz se rapproche. Il y a une nouvelle zone de sécurité. Spécialiste, faut terminer la game, c'est gentil. Le gaz se propage, il y a une juste dans toute ta tête. Oh, oh, je... oh, par contre, les plaques, attention. Les plaques, c'est chiant là. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité établie.
Boum! Boum, 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 boum!